Allô, allô, allô à l'huile. Ici Quinzel, bonjour. Me voilà, bonjour, bonjour. Merci d'avoir patienté. Bonjour, voilà, le jeu s'est lancé, c'est parfait. Et nous voici donc pour la suite d'Ariana Grande. Petit récapitulatif de ce qui s'est passé la dernière fois dans le Let's Play d'Ariana Grande. De toute manière, il y a une petite playlist Ariana Grande pour ceux qui n'ont pas vu. Depuis le début, voilà, la playlist, je l'ai créée. Vous pouvez la retrouver dans les playlists. Et en fait, bah, tout simplement, ça s'est plutôt bien passé parce qu'on a fini de faire sa chambre. Sa chambre, elle est perfecte. Je vous invite également, pour les personnes qui sont intéressées, bah, j'ai tout simplement créé. Attends, je vais augmenter le son du game un petit peu. Voilà. J'ai mis une vidéo en ligne qui s'appelle, je crois, Ariana Grande, CC List, un truc comme ça. Vous pouvez aller voir cette vidéo, je l'ai postée hier à 18h. Et en fait, sous cette vidéo-là, vous avez dans la description tous les liens pour aller télécharger tous les CC d'Ariana Grande. Si vous regardez dans la librairie, j'ai également partagé Ariana Grande. Donc en fait, si vous regardez par ID d'utilisateur, donc par identifiant d'utilisateur, si vous recherchez 15LYTB, donc c'est mon blaze sur Origin si vous voulez trouver mes créations. Merci petite Lu, bienvenue à toi. Donc si vous regardez. Et vous pourrez télécharger Ariana Grande dans votre jeu et vous pourrez également télécharger tous les CC dont vous avez besoin pour qu'elle apparaisse exactement comme dans mes Sims en fait. Voilà. Et merci Mélissa, bienvenue à toi, merci beaucoup. Bon, bah écoutez, c'est parti, on est avec Ariana Grande sur les Sims et il va falloir un petit peu qu'on améliore son style de vie, qu'on améliore sa notoriété. Franchement, regardez sa chambre pour ceux qui n'ont pas vu le dernier live. Je vous remonte sa chambre. Par contre, ça me stresse un peu parce qu'il y a une double musique. Vous entendez la double musique? On va aller dans le menu principal parce que ça me stresse. Et merci Hachi, bienvenue à toi. Il y a une double musique, ça me stresse. Dites pas que je suis obligée. Ouais, on va relancer le jeu. Ça me stresse d'entendre deux musiques. Et merci Sarah, bienvenue à toi. Il y a une musique par-dessus l'autre. Des fois, ça m'arrive. Je ne sais pas pour quelle raison. On va relancer le jeu. Donc, je suis désolée pour l'attente. Et merci Rose, bienvenue à toi. Bonjour aux personnes qui arrivent encore. Désolée, je relance le jeu parce que cette double musique, ça me stresse. Repassion. Ça m'a fait déjà bizarre. Ne pas avoir mon pseudo en vert, ouais. Coucou Lina, Roseli, coucou, bonjour aux personnes qui arrivent, ça fait plaisir. Coucou Mélissa, coucou Kaena, hello, bonjour tout le monde. Et on a la superstar, oh Kazette, on adore, on adore. La superstar? J'ai vraiment écrit ça, la superstar. Oh, la super, j'ai bouffé un thé. Voilà. Merci beaucoup. Ariana Grande, superstar du quartier, c'est déjà mieux. Voilà, je dis du quartier parce que bon, pour le moment, hein, superstar, hein? C'est un peu un trop grand terme pour elle, mais du quartier, pourquoi pas? Elle commence quand même à avoir deux étoiles de notoriété, c'est plus non plus une débutante de chez débutante. J'espère qu'au niveau de la musique, on aura plus cette double musique parce que sinon je suis. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. On attend toujours les gacha studios. Bah, les gacha, c'est tous les mercredis après-midi. Mais non, je veux pas créer. Je veux reprendre celui d'Ariana, moi. J'adore 15Z et la baisse des baisses. Merci, coucou Lina. Oh, merci Lily, bienvenue à toi, merci beaucoup pour ton abonnement. C'est bon, le son ne déconne plus, on peut y aller. Ok, donc nous sommes avec Ariana. Je vais vous montrer sa chambre pendant qu'elle va uriner et qu'elle va manger quelque chose. Je vais vous montrer la chambre d'Ariana dans toute sa splendeur. Voilà. Donc en fait, la dernière fois, pour ceux qui ont raté le live, à la fin du dernier live, nous avons transformé sa chambre
Alors, son petit coin commode, petit miroir des familles, on a changé les murs, la tapisserie, le sol, tout, la totale. Et merci la gameuse, bienvenue. On a changé la totale, le coin bureau, bien sûr, parce que notre Ariana a quand même besoin de travailler un petit peu. La seule chose qu'il faut que l'on change encore, c'est son ordinateur pour le transformer en un ordinateur de compétition ou au moins un ordinateur Tumblr, hein, genre, tu vois, le PC portable ou quelque chose qui ressemble pas à un cube noir sorti de Minecraft. Et voilà, petite déco et son coin lit, voilà, avec voilà, petite photo des familles, des petits rideaux pour ne pas que les gens la regardent pendant qu'elle dort. Et c'est tout ce qu'on a changé parce que voilà, après, plus le budget, quoique même s'il nous reste encore 1200 simflouzes, tu devais pas faire valoir et tout pour le. Ah non, j'ai pas compris, Lilouche, faire valoir. Oui, Arlililil, elle sera faite en vidéo. Enfin, elle est déjà créée, mais je veux dire, le let's play sera fait en vidéo et pas en live. Eh bien, il va falloir qu'on lui trouve un prochain job. Donc, on va aller. Parce que oui, la dernière fois, on avait réussi. On est passé d'ailleurs au niveau 5 actrices. Mais il faut qu'on trouve au niveau de la carrière un autre contrat, puisqu'on a fini notre dernier contrat, notre dernière série. Hey Aurécat, comment ça va? Les t-shirts, j'ai changé quelques petites choses. Ah ouais? Ah bah ouais, bah après, vous pouvez télécharger Ariana, vous pouvez me la modifier, vous pouvez la télécharger sans avoir les CC, mais du coup remplacer les CC par vos propres CC ou vos propres affaires ou vos choix, il n'y a pas de souci. Vous pouvez la modifier comme vous voulez. Peut-être sponsor cette chaîne aussi, oh, ce serait trop gentil. C'est moi que j'ai pas reçu le suite. Alors, c'est 2 à 3 semaines Queen's est là. Ce soir, tu feras du Pokémon, peut-être. Tiens, du Pokémon, pourquoi pas. Alors, ouh, oh là là, oh là là. Oh, tenez-vous bien, les gars. Tenez-vous bien. Et merci, Mélanie, bienvenue. Mélanie, la visionnaire. Attendez, je remets bien. Hop, comme ça, c'est mieux. Alors, tenez-vous bien, puisque nous avons une proposition qui peut monter jusqu'à 2800 simflouzes, les gars. 2800 simflouzes. Vous avez bien entendu. La dernière ville de l'Ouest, c'est quoi? Une série ou un film cow-boy? Alors, recherchons cow-boys qui savent chanter, danser et couper le foin. C'est exactement pour Ariana. Ariana vient de la campagne. Ariana sait chanter, elle sait danser, hein, elle sait améliorer. Hein, on va dire, elle sait améliorer. Alors la dernière, et couper le foin pour la dernière ville de l'Ouest, une production des studios Plumbob. Découvrir l'histoire inspirante des habitants de la ville d'Alshon Springs. Ce sont leurs danses fascinantes et leurs balades exaltantes qui ont convaincu l'opinion publique de s'opposer au projet du cartel des cartographes, déplacer la ligne officielle de l'hémisphère de l'Ouest à l'Est de la ville. Tout cela pour ne pas avoir à jeter des t-shirts imprimés par erreur la première ville de l'Est. Donc c'est un film, et du coup on peut gagner jusqu'à 2800 simplouz et minimum 1240 de quoi. Gagner pas mal d'argent et ça commencerait samedi matin pour l'audition. Si on réussit l'audition, on commence le tournage le dimanche à midi et il faut avoir la compétence niveau 5 guitare. Donc on a, je sais pas si on a la compétence 5 de guitare, mais je sais déjà qu'on a un petit peu avancé, donc on va choisir ça. J'essaie de de chercher dans la galerie hier pour télécharger Harry, je t'ai pas trouvé. Oui, parce que comme je l'ai dit dans la vidéo, faut faire attention, je vais vous montrer, je vais vous expliquer quelque chose. En fait, lorsque vous allez dans la galerie, vous avez un petit truc à cocher pour voir les gens qui ont les CC. Donc en gros, dans la galerie, pour me trouver, vous allez la ID du compte EA et vous tapez 15LYTB, voilà, 15YTB, ça va vous le proposer normalement. Il va y avoir marqué aucun résultat, c'est normal, puisque... En fait, moi, tous les trucs que je crée, il y a des CC dedans. Donc, pour les voir, il faut que vous descendiez tout en bas, je crois. Non, c'est pas là-dedans. Voilà. C'est dans Avancer. Vous voyez ici? Ah non, vous voyez pas parce qu'il y a ma tête dessus. Attendez, je vais enlever ma tête. Je vais enlever ma tête. Voilà, maintenant comme ça. Voilà, j'ai enlevé. Et en fait, juste là où il y avait ma webcam, vous voyez, il y a marqué Avancer ici. Attends, je vais le mettre bien ici, au milieu du cadre. Vous avez ici, juste là, avancé. Et en fait, il faut cliquer sur insérer du contenu personnalisé. Et boum!
Vous voyez même mes autres productions, Selena Gomez, Suns Up, que j'avais créé, et aussi mon personnage du 100 Baby Challenge, que j'ai perdu ma sauvegarde, bah, je vais pouvoir récupérer le personnage au moins. En fait, faut vous, vraiment que vous cliquez et vous cochiez insérer du contenu personnalisé, sinon vous n'allez pas voir mes créations. J'avais créé aussi une chambre de YouTuber avec mes anciens CC, et j'avais aussi créé une chambre Tumblr, voilà. J'avais créé Mélodie de Suite à Maurice également, il y a super longtemps, elle aussi. Et ça, j'ai pas compris ce que c'est, tête de chien. What? C'est quoi ça? Alors, je ne sais absolument pas ce que c'est. Me demandez pas, je sais pas. I don't know. Voilà, donc en gros, c'est ça. Bon, je vous remets la webcam. Et voilà, c'était pour le petit tuto pour les personnes qui veulent Ariana. T'as vu quelqu'un manigeant du live sans aucune raison? Non, il y a. Enfin, mes modérateurs ne bannissent pas sans raison. Il y a toujours une raison, c'est que le règlement n'a pas été respecté. Que ce soit au niveau des majuscules ou des émoticônes. Et merci Lorina, bienvenue à toi, merci beaucoup pour ton abonnement. Ok, on reprend le game. On va vérifier un petit peu. Bah, déjà, elle est fatiguée, on va l'envoyer dormir peut-être. Alors, faut bien que j'appuie sur le matelas pour l'envoyer dormir, sinon elle ne voudra pas. Alors, on va la laisser dodo, on va regarder au niveau des compétences de la guitare. Ah, elle est niveau 3, va falloir qu'on augmente, on a toute la journée, de toute manière, du vendredi pour augmenter sa compétence guitare. Comme d'habitude, on va aller dans le bar, comme ça nous fera gagner un petit peu d'argent. Voilà, c'est les charmes. Divertissement, bah pas besoin, puisque la guitare nous fera augmenter le... Allez, enlever la nourriture gâtée, prendre des restes. Et ensuite, on ira au bar, ça augmentera le divertissement. Coucou Kikinoun, coucou Mackenzie, comment ça va? On va être riche. Enfin, c'est normal qu'ils bannissent avec une raison, sinon quelles sont les règles, s'il te plaît? Bah oui, c'est normal, si elle a raison. Bah, en gros, il faut pas... Bah, en gros, c'est tout simplement, faut rester politiquement correct, pas mettre une phrase tout en majuscule parce que ça devient illisible. Ou les gens qui mettent 36 émoticônes dans la phrase aussi. Ou les gens qui insultent, voilà. C'est vraiment des règles de base que vous avez à peu près sur tous les lives sur YouTube. Pas abuser non plus, voilà, au niveau des messages. Elle aura plein de monnaie. Et ouais. Bah surtout que si on réussit... attendez, on va changer Ariana Grande. Bah de toute façon, elle se changera toute seule. Elle se changera... Ça sert à rien que je la change parce qu'elle va sortir de la maison, elle va se changer en fonction de la météo. S'il fait froid, s'il fait chaud. Et on va toujours au même bar. J'ai peur d'aller dans l'autre bar et qu'il n'y ait pas de guitare. Donc on va aller à celui où on va habituellement. On va comme d'habitude emmener un max de... amis. De personnes qui peuvent nous donner de l'argent si on fait de la guitare. Hein. Lui blanc aussi. Tiens Vanessa. Ah bah on n'a plus de place pour inviter plus de gens. Oh merci Rose, c'est gentil. Comme ça, si on invite plus de gens, ça fait plus de gens qui pourront nous donner de l'argent si on fera de la guitare. Et merci à Candice. Bienvenue Candice, merci beaucoup pour ton abonnement. Non mais c'est comment télécharger des mods sur les Sims comme voler, dérober. Ah mais voler, tu l'as par défaut. Après tuer, il faut le mod, c'est un mod... Enfin, il y en a plusieurs hein, pour tuer. Hein. Mais t'as le livre de la mort par exemple, qui est très intéressant. Après pour voler tu l'as par défaut, je ne sais pas si ça vient avec un pack des Sims 4, mais en gros si tu augmentes ta malice, je crois que c'est ta malice, bah, au bout d'un moment tu peux voler des affaires chez les gens, mais il faut que tu augmentes ton aptitude. Allez, on va s'entraîner, voilà, on va s'entraîner. Vous verrez que ça augmentera son divertissement et en même temps gagnera de l'argent. 12 simflouz maintenant. Allez, on va dire on a commencé à 1250 simflouz. Et on va essayer de faire de la guitare. On va écouter en même temps si elle s'est améliorée quand même. Hein. Ariana, la superstar. Wow, la superstar. Oui. La soeur 15Z, du coup, on fait pas Garry's Mod. Non, parce que Bion, en fait, elle fait une vidéo dessus. Et du coup, je vais pas déranger pendant qu'elle fait sa vidéo en live. Donc voilà. On n'a pas marché. Ah mais tu l'as fait où? Sur Super Chat? On pourrait faire des stories avant de faire un live. Ouais c'est vrai que en plus je vous avais dit que j'en ferais. C'est de ma faute. Comment on se met en abonnement public? Dans les paramètres. Je sais que c'est dans les paramètres mais je sais plus exactement comment. Coucou. Ah bah tiens Inès. Coucou Inès. Comment vas-tu? Le français de la 15e maman. Bon c'est juste que j'ai tapé trop vite sur clavier. Début de Ariana on en apprend hein. Bah ouais, hein. Au moins vous pourrez dire j'étais là au début de la carrière d'Ariana. Bon, même si c'était pas la vraie carrière d'Ariana, de la vraie Ariana, hein, mais bon. Mais sinon, elle est super bien réaliste. Merci. Bah, moi, j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle lui ressemble beaucoup, enfin... Moi, je la reconnais direct.
Bon, on a déjà gagné 100 simflouz en faisant de la guitare, mais est-ce qu'on est niveau 5? Je crois pas. Après, ça va être pause pipi. Oula. Il y a une superstar. Voilà, star montante. Bah, en fait, elle est au même niveau que moi, la star montante. Hein. Et après, on ira commander un truc à manger. Saucisse au curry. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais saucisse au curry. On va lui demander d'aller faire une pause pipi, parce que si elle se fait pipi dessus, vu que c'est une superstar, ça sera vraiment très mal vu. Mais non, je t'ai demandé d'abord d'aller faire pipi. Pourquoi elle allait manger avant de faire pipi? Je comprends pas. Ouais, je sais, c'est dit, mais en fait, c'est même pas avec un C, casquette, c'est avec un... Casquette, c'est avec un QU, en fait. Mais vu que c'est trop long à écrire, bah je remplace et je mets un K à la place. Pour que le titre soit moins long. Ça, je le fais exprès. Mais c'est même pas avec un C, hein, casquette. Hein. Enfin, le deuxième C, c'est... Enfin, c'est pas... Hein, c'est pas... Voilà. Vous m'avez compris, bref, m'avez compris. Ok, un petit peu et on passe niveau 5. Et ouais. Plus de gens égale plus de monnaie. Bah, à ton avis, pourquoi j'invite plein de monde avant d'aller dans les bars à chaque fois? Tu me conseilles quoi entre Heure de Gloire et Chien et Chat? Alors, moi, je te dis honnêtement, j'aime beaucoup Chien et Chat, mais je préfère Heure de Gloire. J'aime beaucoup Chien et Chat, mais je préfère Heure de Gloire. Enfin, jusqu'à maintenant, j'utilise beaucoup plus Heure de Gloire que Chien et Chat. Chien et Chat, c'est cool, mais il manque un petit peu de fonctionnalité, quand même. Tu t'amuseras peut-être plus avec Heure de Gloire. Après, ça dépend des gens, hein. Je peux dire qu'il y avait une foire au talent au bar à cocktail. Si on allait se ridiculiser... Allez, on est niveau 5, go, on va aller se ridiculiser. La fois que j'ai mangé de la sauce curry, j'ai vomi, lol. Mais c'est trop bon la sauce curry, mais... Voilà, il n'y a pas tout le monde qui... Voilà, après il y a des gens qui ont des problèmes, on va dire, gastrologiques. Hein, Je me suis remis justement à la visite avec... mais c'est bien un Q... Ouais, c'est un QU. Donc au lieu d'écrire deux lettres, bah, j'en écris qu'une, je mets un K. Elle est trop belle, Ariana. Elle gagne beaucoup de monnaie. Bah, surtout si on réussit à décrocher le prochain contrat. Ce qui est pas sûr, hein. Parce que moi, je le prends comme acquis. Parce que j'ai l'habitude. Donc en ce moment, on réussit bien. Oula. J'ai cru que c'était la madame qui avait une couette qui sortait de sa tête. Mais en fait, c'est parce que moi, je suis dans son corps. Je suis dans son corps. La foire au talent va bientôt commencer. Bah, pour la foire au talent, comment qu'on fait déjà? Comment qu'on fait pour participer? Pour s'inscrire? Inscrivez-vous au bar pour participer. Tenir le bar, non. C'est au monsieur? Faut s'inscrire? C'est où qu'on s'inscrit? Je m'inscrire. Oula, qu'est-ce qu'elle fait la madame? Véritable célébrité? Ça veut dire quoi? Moi, je suis pas une véritable célébrité. Tu te calmes, madame. Je peux signer un autographe. Attends, on va lui manquer de respect. On va lui manquer de respect. On a deux étoiles de moins qu'elle et on va lui signer un autographe. Pas elle nous signe, mais nous allons lui signer notre autographe. Oh, le pire, c'est qu'elle le prend et il est super contente. Oh, comment on lui a manqué de respect. T'imagines, c'est comme si moi, j'allais signer un autographe à Squeezie, quoi. Demander un selfie, tiens. Voilà, ok. Elle a été super sympa, je pensais pas. Je pensais qu'elle allait nous rembarrer, mais pas du tout. Alors, c'est qu'on s'inscrit, monsieur. Je vais m'inscrire. C'est où qu'on s'inscrit? Participer à la scène ouverte. Voilà, on va aller participer à la scène ouverte. N'hésitez pas à utiliser le micro ou tout autre instrument. C'est à votre tour d'entrer en scène. Comment on fait? Non, casse-toi, c'était ma guitare. Ils m'ont volé la vedette. Ils m'ont volé la vedette. Non. Oula, je rêve, elle s'est cognée avec le micro. Elle s'est cognée avec le micro, la meuf. J'adore ta veste, merci, Voldino. Elle s'est cognée avec son micro. Il n'y a plus beaucoup de monde, là. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous là-haut. J'ai envie de faire la sérénade à quelqu'un, là. À quelqu'un que je connais de préférence. Est-ce que je peux lui faire à elle? Non, je peux pas. Bon, allez, présentation. C'est la soirée des femmes au bar ce soir. Allons-y pour avoir des boissons à bon prix. Oui, mais je peux pas être partout à la fois. Hein.
Est-ce que je peux faire le truc là pour gagner de l'argent? Tout le monde s'en fout! Tout le monde s'en fout, jouer une scène. Jouer une scène d'amour. Bon, ça va, j'ai quand même un public. Hein? Rien pour adopter des animaux, genre un chat ou un chien. Mais je pense que plus tard, quand elle sera un peu plus célèbre et qu'elle aura un peu plus de temps pour elle, on pourra s'amuser à faire des trucs genre, oui, prendre un animal. Je ne sais pas d'ailleurs si elle n'a pas... Oula! Ariana, oula, qu'est-ce que tu fais? Ah mon dieu. En fait, le pire, c'est qu'ils embrassent vraiment. Xiaomi 436 plus, est-ce qu'ils vont me donner de l'argent pour ma scène? Même pas? Et du coup, elle est enjôleuse? Oh non, j'ai même pas gagné d'argent, tout ça, je l'avais fait pour l'argent. Et j'ai pas d'argent maintenant. Attends, j'ai un nouveau truc. Faire de la gratte pour s'amuser. Plutôt, on va mettre ça pour voir ce que ça donne. Oh, pas mal, hein, quand même. Pas mal. Tu devrais construire une maison sans CCMDR. Ariana, ouais, mais vous me connaissez, moi. Et les CC, c'est une grande histoire d'amour. En fait, t'as volé la place, bim, elle s'est cognée. Le karma. Mais le pire, c'est qu'elle a fait exprès de se cogner, genre. Elle a fait une connerie en chantant et elle s'est cognée parce qu'elle s'est vénère contre elle-même, quoi. Ah non, Ariana Michto a raté son objectif. Ah ouais, c'est Ariana de Chouin. Mais là, elle fait bien la guitare. C'est pas mal, quand même. Coucou, Miranda. Que je suis... À quoi ça sert, les citrons? Bah, avec les citrons, tu peux ensuite gagner des petits cadeaux, en fait. Bon, faut économiser les citrons. Comme ça, on voit quand elle était clocharde, MDR. Ouais, bon, elle a jamais vraiment été clocharde. Elle a toujours vraiment une maison. Mais après, c'est vrai qu'elle était pauvre au début. Hein. Elle était pauvre. Là, ça va. Et merci, David le gamer. Bienvenue à toi. Merci beaucoup pour ton abonnement. Voilà, tu as pris 6 carrés sur un terrain 64-64. Quoi? Peut-être que t'as voulu faire une tête de chien. Bah, je sais pas si c'est pas par hasard quand je testais les nouveaux trucs, les nouveaux contenus. Mais pourquoi j'aurais sauvegardé ça dans ma librairie? Je comprends pas. Voilà, fait de la guitare, elle est contente. Par contre, je crois qu'on va quand même rentrer au bout d'un moment. Hein. Mais est-ce que... Où est-ce qu'on en est? Oh my god! Regardez sa notoriété, regardez! Non, c'est de ce côté-là. Regardez sa notoriété en bas, là! En bas à droite de l'écran, elle est presque à 3 étoiles! Elle est presque à 3 étoiles! J'ai trop envie de rester juste pour gagner la notoriété en faisant la guitare. Ok, il y a tout le monde qui se barre. Il y a tout le monde qui a décidé. Viens, on se barre, tout le monde. Allez, moi aussi, je rentre, il est tard, il va être 23h. Ouais, il y a tout le monde qui se barre en même temps, genre, regardez. Ils se barrent tous. En même temps, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on est là, on est tous fatigués, on va rentrer à la maison. Hein. On va rentrer à la maison, quand même. Pour le chien d'Arena, je propose un chihuahua. Bah, pourquoi pas. C'est un peu la star des chiens, le chihuahua. Mais est-ce qu'elle a un animal, peut-être, déjà? Je sais qu'il y a beaucoup de fans d'Ariana, donc je pense que vous connaissez mieux sa vie que moi. Et est-ce qu'elle a peut-être déjà un animal, hein? Ça se fait, elle en a déjà. Elle a peut-être 2 chiens, 3 chats, je ne sais pas. Mais après, me dites pas qu'elle a, je sais pas, un lézard ou je ne sais quoi, parce que ça, par contre, on ne peut pas dans les Sims 4. Donc si elle en a pas, on lui en inventera un. Ariana casse la démarche comme Samuel et Mitty. What? C'est qui? Un cochon. Ah oui, c'est vrai, vous me l'aviez dit. Un cochon. Et en plus, je vous avais dit qu'on essayera... journée du... Quoi? Du jargon de pirate, d'accord. En plus, vous me l'aviez dit qu'elle avait un cochon déjà. Se soulager par-dessus bord. Oh mon dieu, regardez, c'est la journée du jargon de pirate. Et regardez, il y a une nouvelle fonctionnalité. Se soulager par-dessus bord. On va voir comment elle se soulage par-dessus bord. Ok, donc c'est juste le jargon, mais ça ne change pas le... Je pensais qu'elle allait faire pipi debout, mais non. Mais non, préparer un ragoût. Lol. Bon, on va prendre des restes. On va pas préparer à manger express si on a encore de la nourriture. Contempler les vagues, mini baignade ou rêver d'océan. Contempler les vagues, c'est prendre une douche, une longue douche. Je sais pas si elle aura le temps par contre parce qu'elle part à 9h je crois hein, pour son audition. Ouais, à 9h. Voilà, mur de notification plein. Ah bah dis donc, on va supprimer tout ça quoi. C'est pas là-dedans que je voulais aller, c'était là-dedans. Et on va supprimer toutes les notifications. Voilà.
Allez, on sort de la douche et on va à l'audition. Est-ce que vous pensez qu'elle va réussir l'audition ou pas? Moi, allez, moi, je suis positive. Je dis qu'elle va réussir l'audition. On va dire qu'en termes de besoins, elle a bien 5 d'aptitude. Ouais, audition réussie. Oui. J'espère, oui. Ah oui, bah vous aussi, c'est bien. Merci beaucoup de croire en Ariana. Oui, Ariana est dans la galerie. Vous pouvez la retrouver avec l'identifiant, avec mon identifiant Origin qui est 15LYTB, tout attaché. Et vous devez bien cocher la case pour que pour activer les contenus avec, enfin les contenus avec DCC en fait. Vanessa me demandait si vous voulez lui rendre visite et passer un peu de temps avec elle. Mince, je voulais y aller en plus, mais j'ai misclic. Alors, lier une amitié avec le réalisateur. On est déjà amis avec le réalisateur. Développer la compétence fitness et développer la compétence guitare. Ok, bon, on va aller dans le bar. Allez, c'est parti. En même temps, on fera augmenter notre social. Salut 15Z, toi tu manges quoi ce soir? Moi raclette. Oh bah t'as de la chance. Moi je sais pas ce que je vais manger ce soir. Je ne sais absolument pas encore ce que je vais manger ce soir. Bon, comme d'hab, on invite tout le monde, hein, hop. Non, un caniche. Bah, ce que vous voulez. De toute façon, au moment venu, vous me connaissez, je vais vous demander. Je vais vous demander ce que vous voudriez que l'on crée. Je vais quand même essayer de créer un cochon avec un chien, enfin, un chien-cochon, en fait. On essaiera de créer un avec des CC, peut-être, ou en modifiant un chien pour qu'il ressemble à un cochon. Je pense qu'il y a encore moyen. Pourquoi il y a des notifs sur les Sims 4? Ah, parce que ça te dit... Bah, c'est bien les notifs, ça te permet de savoir un petit peu l'avancée de ta Sims et ce genre de choses, quoi. Faire du jam pour la bande, on va faire ça. Si ça augmente de la guitare, c'est bien. Oh, il y a une madame qui est fan. Oh, elle est trop jolie en plus. Et merci, Just Licorne, bienvenue à toi, merci beaucoup. Oh, elle est trop belle. J'adore. Miko, je dis pas ça parce qu'elle a les cheveux roses, hein. Elle est pas trop mignonne. Et en plus, elle est super fan. Faudra qu'on lui parle après. On va juste finir de développer la compétence guitare. Quand tu dis lol, j'ai l'impression que tu me parles. Mais en même temps, vu le pseudo que t'as, ça me surprend pas. Et merci, Narianator. Enfin, re, Narianator, pardon. Et merci à Rose, bienvenue. Je m'emballe. Voilà, merci Aurélie qui vous donne mon idée Origin si vous voulez retrouver mes créations. Monsieur, rends-moi la guitare s'il te plaît. Oh, bah regardez. Où ce gredin? Où est du bateau? Bien le bonjour. On va faire bien le bonjour, mon saillot. Réveille-toi, madame. Elle est fan de moi, on va le parler. Ah, lui aussi, il est fan. Oula, lui aussi. Lui aussi. Allez, au revoir. On dort. Bonne nuit, monsieur. Ah mon dieu. On commence à avoir de plus en plus de fans, c'est ouf. Bah tiens, on va lui signer un autographe. Ah, on peut plus? Jouer une scène d'amour pour obtenir des pourboires. Ah, avec elle! Oui, donc là, on a 1496 Simplows. Je veux dire, je suis contre Google MDR. Ouais, ça se voit, ouais. Oui, tes animaux vont bien. Bah oui, ils vont super bien. Petit chat et Max, ils vont super bien, là. Est-ce que tu as ouvert ma lettre? Oui. Mais bon, tu verras tout en vidéo, hein. Je n'en dis pas plus. Allez, je veux jouer la scène d'amour pendant qu'il y a des gens. Viens, madame, maintenant où tu vas? Maintenant, si tu montes en haut, comment je vais faire, moi? Bah, tant pis, je jouerai pas de scène d'amour avec elle. On va jouer avec quelqu'un d'autre. On va jouer... Qu'est-ce qu'elle va faire? Voir ce qui se passe. Mais non, reste ici. Avec Gunther, peut-être? C'était dans quoi déjà? Ah voilà, jouer une scène d'amour. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de monde autour de nous. On a mis 487 Simplows. Pour l'instant, Ariana peut se permettre encore de faire ce genre de choses. Une petite scène d'amour. Ah là 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 là, ça ne rigole pas. Elle est fan de qui elle? Ah, d'Ariana aussi. Oh, on a de plus en plus de fans. On a vraiment de plus en plus de fans dans la vie. Si tu veux monter ces dernières, tu dis souvent mon prénom, je m'appelle Mariana. Ah, parce qu'en fait, je dis Ariana pour Ariana Grande. Une scène d'amour avec des fans.
Lui, c'est pas. Je crois. Lui, je l'ai invité à venir. On a gagné. On a gagné environ 90 simflouz. Ce qui est pas mal quand même. Et là, faire gratter, faire de la gratte pour s'amuser. Pour finir, on n'est toujours pas à la troisième étoile. Hein. On y est presque. On a presque notre troisième petite étoile. Et si, comme ça, on finit de développer la compétence guitare. Et ensuite, il va falloir faire un petit footing pour le fitness. Ou non, on va aller à la salle de sport, tiens. On va aller à la salle de sport. Allez, on va à la salle de sport, les gars. Tiens, j'ai l'impression que j'emmène ma petite bande partout, tu sais. Mais bon, pour le fitness, faut y aller, hein. Allez, petite salle des sports des familles. On va y aller. Allez, on emmène tout le monde. Allez, venez. Non, je l'envoie. Peut-être petit Omiko, on n'a pas eu le temps de faire connaissance. Bientôt les 100K sur 15L. Ah, ça avance, hein. Pourquoi tu fais Zayn en célébrité? Si, bah pourquoi pas. Je sais que déjà, la prochaine célébrité, peut-être que si on a le temps de créer ce soir, ce sera Nicki Minaj. Nicki Minaj, je suis sûre que je vais rigoler à la créer. Elle a vraiment un physique tellement atypique que voilà, dès que je lui mets... Même, je suppose que les plus grosses fesses que l'on peut créer sur les Sims 4 ne suffisent pas pour créer le popotin de Nicki Minaj. Il n'y a pas assez de pixels sur l'écran pour la créer, Nicki Minaj. Allez, venez les gars, on va faire un entraînement ensemble. Allez, venez. J'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui vient me suivre pour regarder l'assemblée. Allez, les gars, on fait du sport. Ah, la meuf, elle est venue en maillot de bain. Regardez, il y a tout le monde qui fait du sport avec moi. Oh mon dieu, c'est tellement drôle. Poupi ou 15 clash. Oh, c'est pas forcément un clash, hein. Parce que bon, il y a des gens qui aiment bien les gros popotins, pourquoi pas. Bon, moi, j'assumerais pas un aussi gros popotin. Les gros popotins, c'est beau, mais. J'aimerais pas en avoir un aussi gros quand même. Hein. Tu penses que tu sortiras la vidéo quand? J'ai trop hâte. Alors j'ai pas eu le temps de faire le montage. Parce que voilà, il faut que je fasse quand même un montage dessus. Et du coup, je pense que je le ferai dans la semaine tranquillement. Je vais pas te dire quel jour parce que voilà. Mais si le jour où il sera planifié, si tu veux savoir, je te le dirai. Mais je n'arrive pas trop à y jouer, je suis trop nulle. Ah bah après, avec le temps, tu verras. On s'y habitue. On s'y habitue. Oui, j'ai déjà testé Star Stable, mais j'ai bien aimé, mais pas assez pour continuer à jouer, en fait. 50%, il faut que tu repousses tes limites. Allez, repousse tes limites. Non, on m'a piqué la machine. Bon, tant pis, je vais à celle d'à côté. On est à 50%, il faut qu'on finisse pour que demain, tout se passe bien au travail, que l'on gagne max d'argent. On peut gagner plus de 2000 simflouz demain, les gars. Plus de 2000 simflouz. Il y a une meuf qui s'est refait le popotin, c'est moche. Ouais, mais Nicki Minaj, son popotin n'est pas naturel. Hein. Son popotin n'est pas naturel. Hein. Comme Kim Kardashian, son popotin n'est pas naturel non plus. Hein. Vraiment, les filles, vous sachiez, les filles, que souvent les stars sont refaites. Elles ont le droit hein, de se refaire. Mais ne pensez pas qu'elles sont comme ça naturellement et que vous n'êtes pas normal. Hein. Un corps normal, c'est un corps... normal, voilà. On n'a pas... voilà. Vraiment pas que vous... comment dire... que vous complexiez à cause des stars. Les stars, souvent, utilisent de la chirurgie. Et merci, petit canelé, bienvenue. Merci beaucoup. Donc, voilà, ne complexez pas. I believe I can fly sinon heka heka. Voilà, avec de la chirurgie, tout change. Également, les filtres sur les photos... les retouches photos, les Photoshop sur les photos, etc. Vraiment, ne complexez pas. Je sais que ça complexe la plupart des jeunes filles, souvent. Mais il ne faut pas. Faut regarder de près les stars sans make-up, sans maquillage. Elles sont comme tout le monde. Et merci Nono, bienvenue à toi, merci beaucoup. J'ai marqué Ariana et un animal et une vidéo avec Victoire du chien de Ariana Grande. What? C'est quoi ça? Faudrait que je me renseigne. Aussi belle qu'un ange. Oh, merci Rose, c'est gentil. Et des fois, passe pas bien la chirurgie. C'est des fois pas bien. Bah ouais, la chirurgie, si vous en faites, il y a des risques. Hein, comme dans toute opération, il y a des risques. Donc, faut quand même faire attention. Voilà. C'est vraiment que vous sachiez. Voilà, petit aparté. Petit guillemet quand même. Parce que je sais que j'ai des personnes très très jeunes qui m'écoutent. Et voilà. Et je sais qu'il y a des personnes qui complexent. Hein, moi-même, putain, tant je complexais. Maintenant, ça va.
Après, moi, je ne suis pas non plus contre la chirurgie esthétique. Si ça peut aider des personnes, il n'y a pas de problème. Hein. Mais voilà. T'es super, merci. Comme les frères Bogdanov. Après, les frères Bogdanov, je sais pas si c'est de la chirurgie quand même. Je me demande si c'est pas, ils sont pas comme ça. Parce que faire de la chirurgie pour être comme ça, c'est bizarre quand même. Bon, tu me diras, c'est aussi bizarre de faire un aussi gros popotin que Nicki Minaj, mais... Allez, ouah, elle a une de ses dégaines. L'appel de l'agence, une apparence propre et présentable augmentera votre réussite. Des rapports récents indiquent que vous pourriez suivre davantage ce conseil. What? Ça veut dire quoi? Que je pue? Oh mon dieu, ils disent que Mariana, elle pue. Mais elle pue pas, Mariana. Mais what? Bon, rentre... Par contre, si tu pourrais rentrer en t'habillant et ne pas en restant... Oh mon dieu, je ne dis plus rien. Fais ce que tu veux, Mariana, fais ce que tu veux. Tu connais Holly H? Non. Anna Grande, c'est le genre de meuf que tu croises dans la rue que tu reconnais pas tellement. Elle est maquillée quand on la voit, MDR. Mais c'est ça, hein, des personnes, des personnalités que vous rencontrez dans la rue, vous ne les reconnaissez pas parce que justement, elles sont habillées comme tout le monde. Elles sont pas coiffées comme dans leurs clips ou dans leurs films. Ou elles sont pas autant maquillées ou autant photoshopées dans la vraie vie que sur leurs photos. Et vous les reconnaissez pas. Hein. C'est comme ça. Allez, où ma maison? Elle est tellement petite que je la vois pas, il me faut une carte. Ok, bon, on va pas non plus trop tarder vu qu'elle commence à midi. Piquer un roupillon. Non, aller se coucher carrément. Voilà, bien réussi. Parler comme un pirate. Grrr, c'est le moment d'utiliser votre jargon de boucanier. Aujourd'hui, vous êtes invité à parler comme un fier pirate. C'est sympa ce genre d'événement. C'est sympa, j'aime bien. J'aime beaucoup. Ariana, je la vois bien avec un chihuahua beige. Bon, on verra au moment où on la créera, puisque ce sera pas encore à ce live-là qu'on créera un animal. Elle est pas encore assez famous, c'est assez tranquille au niveau de sa célébrité pour ça. Mais dès qu'on la fera déménager dans le quartier hypé, on commencera à penser aux animaux, aux majordomes. Je pense aussi une majeure femme ou un majordome, je pense qu'on les prendra, qui s'occupera de son ménage et ce genre de choses. Bon, vu qu'apparemment je pue, je vais aller prendre une douche. Ah, on est déjà en automne. Eh ben c'est que le temps il passe vite, hein. On était en hiver il n'y a pas si longtemps que ça, on est déjà en automne. Elle a besoin de social. Ben on va peut-être appeler quelqu'un à cette heure. Ben moi j'ai un gros hux en chirurgie MDR et ben voilà, il n'y a pas de quoi être jaloux des fesses de Nicki Minaj alors. Ah, ouais, j'allais dire tire la chasse d'eau, hein, ça serait pas, hein, sinon. Ouais, on va appeler... On va appeler Vanessa, on va discuter avec elle, histoire d'augmenter un petit peu le social. Bah, on a jusqu'à midi pour faire un petit peu ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il n'y a pas grand-chose à faire. Peut-être regarder la télé pour le divertissement. On va regarder la chaîne Humour. Tiens, ça aide toujours. Coucou Mathis, comment ça va? Un corps normal est un corps comme Jess. En fait, tout le monde a un corps normal, en fait. Il n'y a pas de taille standard de corps, il n'y a pas de taille standard de fesses. Le plus important, c'est vraiment de s'accepter soi-même. Hein. Après, je vais manger, bisous. Ça marche, bah, bon appétit. Ça, c'est bizarre qu'elle n'ait pas encore cassé les toilettes. Ah non, ne dis pas ça, tu vas porter malheur. Déjà, la dernière fois, elle a cassé les toilettes, le lavabo et la douche en un seul live. Elle a pété toute sa salle de bain. Je pense que ça voulait... Elle voulait peut-être me faire un message pour me dire « Quinzel, est-ce que tu peux refaire ma salle de bain la prochaine fois, s'il te plaît ?» Je ne sais pas, peut-être que je remplace la salle de bain. Coucou Monster, comment ça va? Moi, un gros boule qui est pas facile à porter, surtout en acrosport au collège, donc la honte. Bah, y a pas de honte à avoir. Il faut juste accepter, je pense. C'est le principal. Je mange un bubblegum. Partage. Moi, j'ai un problème derrière sans chirurgie. J'ai un gros derrière sans chirurgie. Moi, j'ai un gros problème derrière. Je fais what? Un gros derrière sans chirurgie. Bah, ouais, bah voilà. Hein, faut profiter, hein, les meufs. C'est maintenant, entre guillemets, à la mode. Hein. Parce qu'avant, dans le temps, les filles qui avaient un gros popotin, bon, peut-être pas non plus jusqu'à aller dire ceux de Nicki Minaj parce qu'ils sont pas naturels, mais qu'ils ont un gros popotin naturellement, bah, ils se cachaient en mettant des gros pulls, ce genre de choses. Parce que avant, c'était pas autant accepté qu'aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, les filles qui ont un gros popotin, bah, écoutez, c'est franchement, hein, c'est bien. Voilà, que tu me le dises, mais je n'ai pas Discord, donc peut-être que tu pourras me le dire par mail, puisque je t'envoie des mails ou sur MSP ou Instagram. Ça marche, petite bavarde. Bah, je te rechercherai. Normalement, on s'est déjà parlé sur Discord, donc je vais t'ajouter sur Discord après.
Ok, on arrête la télé, on va prendre un petit... enlever la nourriture gâtée déjà. Est-ce qu'il reste... Ouais, il reste des restes. Hop là, parfait. Puisqu'à midi, elle commence son petit travail. Par contre, le sapin qui est resté toute l'année. Hein, le sapin, il est pas mort. Hein. On va dire que c'est un sapin en plastique. Hein. On va le laisser, puisque bon, on est quand même en période de décembre dans la vraie vie. Bon, c'est pas Noël dans le game. Team Gros Popotin. 2 ou 3 ou 4 chiens, je trouve. Chiens différents. Hein. Pourquoi pour Ariana? Vous avez beaucoup de goût au marché. Je suis désolée, je peux pas à midi. Je pars au taf, Vanessa. Je ne peux pas. Je suis une femme d'affaires très prise. Par contre, ce que je peux faire, c'est peut-être appeler encore quelqu'un au téléphone. Bah tiens, Nico, parce que je l'aime bien. Discuter. Voilà, comme ça, on a 1 heure devant nous pour discuter. Faites attention aux emojis. Mettez-en pas trop, trop, trop. Je suis en train de télécharger des CC de Ariana Grande. Ah, bah nice. Merci, Audrey. On va rejoindre Ariana sur le terrain. Ouais, elle a 6 chiens. What? On va pas lui, peut-être pas lui en faire autant non plus. Hein. Elle a trop de chiens, je crois, là. Je connais une personne trop belle, elle s'appelle Quinzel. Oh, c'est mignon. Coucou, Monster Azure. Enfin, re. Mais moi, je... Non, pas 6 chiens. On le fera pas 6 chiens. Parce qu'après, si elle a un copain ou quoi, si plus tard, elle va devenir maman, ça va être compliqué d'avoir plus de 8 Sims dans cette famille, quoi. Mais on peut aller jusqu'à 3 chiens. 3 chiens, c'est déjà pas mal, je pense. Surtout que dans les Sims, faut s'en occuper, faut les sortir, etc. Et je pense qu'Ariana, elle a un grand jardin et les chiens s'occupent de tout seuls, peut-être. Ou peut-être qu'elle a quelqu'un qui s'en occupe. Mais avec sa vie active, ça va être compliqué de gérer tous ces chiens, quoi. Alors, on va aller se faire coiffer et maquiller pour voir à quoi on ressemble. Donc, attendez, c'était quoi déjà le thème? Ok, c'était cow-boy. On va voir à quoi ressemble le look cow-boy. Ensuite, on mettra à jour... Une souris Instagram? Ah non, c'est son statut qu'il faut mettre à jour. Pour dire, hé les gens, je suis en train de tourner pour un film de cow-boy. Bientôt dans tous les cinémas de Sims. Allez, relook-moi, je veux avoir une belle tête. Allez, un chapeau de cow-boy. On va avoir un chapeau de cow-boy. Je rigole, on a un vieux costume tout pourri encore. Bon, par contre, je veux bien, mais si tu pouvais t'occuper... Ah, oh, bah je crois que ça a bugué. Non, me dis pas que ça a bugué. Attends, peut-être que ça marche maintenant. Ouf, on a frôlé la catastrophe. Ou pas. Non, s'il vous plaît, il y a tellement d'argent à gagner sur ce contrat. Bah attendez, on va sauvegarder déjà. On sait jamais. Ça bug. Ok, c'est bon, elle a bougé. Marche, s'il te plaît. S'il te plaît, fait que ça marche. On a perdu un quart du temps déjà. Oh, va falloir aller très très vite maintenant. Répéter la scène avec la covedette. Ah, ça va être dur là. C'est lui la covedette? Non, c'est même pas lui. Figurant. Ok. Donc ça, c'est la coupe qu'on a. On va mettre le costume déjà. Ouh là là, ça va être dur là. On a perdu un quart du temps avec le bug là, c'est un petit peu buggé. Allez, s'il te plaît, Ariana, fais un effort! Je stresse là, je stresse, je stresse, je stresse. Et merci petit chat 2.0. Là, c'est bon, on est bon. Je veux gagner beaucoup d'argent, donc faut vraiment qu'on fasse tout. Ah non, je voulais un chapeau de cow-boy, je voulais être une cow-boy, je voulais pas être une madame. Oh. Manger, ok, ça manger on peut faire. Asperges entourées de prosciutto, tarte aux pommes. Bon, allez, des asperges là, parce que avec toutes les pizzas qu'elle a mangées ces derniers temps, c'est peut-être intéressant de faire... Quoi, 30 abonnés? On dirait que cela intéresse 30 abonnés. Ok, on a gagné 30 abonnés. Il faut qu'on trouve la covedette. Où est-ce qu'elle est la covedette? Figurant. Mais c'est pas lui. Si, c'est lui la covedette. Répétez la scène. Attends, on va pas lui laisser le temps de finir de manger. On va lui demander d'aller directement s'entraîner, sinon on n'aura pas le temps.
On est avec la course contre le temps. On est en course contre le temps. Mais tu sais, de la nourriture en excellence. Comment ça? Je t'adore. Comment ça va? C'est elle, la réalisatrice, je crois. Non, c'est pas elle, c'est lui. Ok, ensuite... On va faire quand même une présentation chaleureuse pour se présenter quand même au réalisateur. Hein. Obtenir les notes du réalisateur. Comment on obtient les notes du... C'est la première fois que j'ai ça. Attendez, on va voir. Cliquez sur le réalisateur et sélectionnez l'interaction pour obtenir les notes du réalisateur. Ok, d'accord, on va essayer. Ariana a 8 chiens, mais elle ne vit qu'avec 3 chiens car les autres sont chez sa mère et elle a un couchon. D'accord. Obtenir les notes du réalisateur et dire au réalisateur que le tournage peut commencer. On est déjà à moins de la moitié du temps. Oui, si tu fais 3 chiens, t'as intérêt à faire un chihuahua. Bah, je vais voir ce qu'elle a un peu comme chien. Ok, rapidement. Ici, comme d'habitude, on va faire danser, risquer, chanter, risquer. On va y arriver. Ah non, non. Par contre, danser, c'est toujours pas amélioré, j'ai l'impression. Allez, scène suivante. Cette fois-ci, c'est quoi? Chanter. Après, ce sera de la guitare. Pas mal quand même. Oh, Jaja. Écoutez. Oh non, elle le refait pas. À un moment, elle faisait oh, Jaja. Non, non, non. Oh, Jaja. Oh, plagiat, Jaja. Allez, de la guitare maintenant. Pas mal, hein, ouais. C'est amélioré, hein. Ça, ouais. Coucou Pierrot! Bah, c'est déjà mieux que la danse, hein. Le chant et la guitare, c'est mieux. Hein. Hey Katie! Coucou Pierrot! J'aurais jamais vu Ariana jouer dans un film de cowboy ni en train de chanter du Jaja. Oh! Oh, tu déstresses, meuf! Oh, elle m'a fait peur! Mais pourquoi elle a fait ça? Acte 2. Ok, c'est parti pour l'acte 2. Bon, danser, hein. Oh mon dieu. Catastrophe. Coucou Adam. Anna qui plagie Ayana Kamura. Nouveau buzz de l'année. Mais t'es derrière, elle est malade, mais elle m'a fait peur. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Je me dis, mais what? Mais des stress. Mais... Alors attends, jouer une scène d'emprisonnement. Est-ce que ce serait là-dedans? C'est où? Où est-ce qu'elle se joue la scène d'emprisonnement? Cliquez sur la porte de cellule. Ah, c'est à côté, d'accord, c'est juste là, j'y avais pas vu. Et merci Virginia Lou, bienvenue à toi, merci beaucoup. T'es vu comme danseuse, wesh, ouais. Non, clairement la danse, va falloir s'entraîner là-dessus. On s'entraînera, j'achèterai un truc à la maison pour qu'elle s'entraîne à l'abri du regard des autres, pour qu'elle puisse se dépasser physiquement et apprendre, parce que là, ça ne va pas. Coucou Lily. Mais du coup, j'ai peur qu'on soit pas vraiment bien payé parce que elle s'est foirée sur la guitare. J'ai l'impression que du coup, elle va être un petit peu, comment dire, voilà, jugée sur sa note de fin de voilà de session. Ok. Ok, c'est parti. Comment ça marche? Hein? Où est-ce que tu vas? D'accord. Ben moi, je suis la caméraman. Allez, vous rentrez en prison pour avoir volé des patates. Si vous voulez manger de la purée, achetez de la mousseline. Merci. Eh ben, écoutez, c'est fini la performance. Juste avant la fin de la performance, rapidement, comme d'habitude, on va piquer de la bouffe. Qu'est-ce qu'on pique aujourd'hui? Tarte aux pommes, asperges. Excellent, asperges. Ben, on prendra les asperges qui viennent d'être faites, hein, quand même. Hein. Voilà. Voleur de patates, non mais vous rendez compte, il a volé des patates à un agriculteur de patates, c'est pas gentil. C'est pas bien, vous serez habillé dans cette prison, monsieur.
On n'en sortirait plus jamais. Voilà, une patate égale une année de prison. Vous avez vendu 30 patates, vous allez aller en prison pour 30 ans. On s'est déjà parlé sur Discord. Ouais, ah, mais t'as plus Discord, d'accord. Tarte aux pommes. Non, mais c'est Ariana qui devrait être en prison. Bah pourquoi? Ouais, c'est vrai qu'elle a cassé une guitare. Hein. Franchement, c'est pas bien, Ariana. C'est pas bien. Re-salut. Bah quoi, c'est bon les patates. Oh! Oh! Je viens de tomber sur une idée de malade, les gars. Je viens de tomber sur une idée de malade. Mais soit de la nourriture en excellente. Ouais, mais pourquoi, Angèle? Tu m'as pas dit pourquoi? Est-ce qu'on peut tomber malade? Moi, bon, qu'est-ce qui se passe? C'est quand que vous allez me donner mon argent? Bon, allez, on va blaguer avec le réalisateur pour qu'il nous donne un peu plus d'argent. Mais qu'est-ce que je voulais dire? En fait, ce que j'ai trouvé comme idée, c'est que là, on a une porte de prison. Et j'ai envie de créer une prison maintenant. Avec ce que voilà, la porte de prison maintenant qui est disponible avec Heure de Gloire. J'ai envie de créer une prison maintenant. Non, ce serait pas cool, genre, de créer une prison? Il a harcelé des pauvres patates et il les a kidnappées. Oh, j'ai une méga idée. J'ai une méga idée. Mais là, je pars trop loin dans mes idées. Dites-moi si je vais trop loin. Mais en gros, ce serait de créer une prison où les prisonniers ont pris la prison d'assaut. Et du coup, enfermer la prison, en fait, et que les prisonniers soient obligés, c'est entre guillemets un petit challenge, soient obligés de substituer à leurs besoins tout seuls, c'est-à-dire à faire un potager pour se nourrir et ce genre de choses. Ouais, je crois que je suis allée trop loin là. La scène n'est pas finie, mais pourquoi? Terminer la performance. What? Stop, 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 stop. Terminer la performance. Mais c'est déjà fini là, non? Comment on fait pour terminer la performance? Bah normalement ça se finit, ça va me demander si je veux rentrer chez moi ou pas. Ok, 2800 Simploos! Yeah, l'argent! L'argent! Pas du tout, c'est une bonne idée, c'est bien comme idée. Ouais, vous aimez bien? Coucou Cricri! C'est une super idée, ouais. Pourquoi pas? Bonne idée. Et ce qui serait bien aussi, c'est genre que je crée la prison sans cesser. Comme ça, je pourrais créer un challenge là-dessus. Genre carrément créer un challenge, mais bon, faudrait avoir Heure de Gloire pour les portes de prison. Mais ce serait genre de créer le challenge sans cesser pour que tout le monde puisse refaire le challenge sur son jeu. Et genre créer des prisonniers pareil sans cesser. Ce serait un challenge pour moi aussi parce que je crée toujours avec des CC. Une prison pour enfermer les voleurs de patates. Bon, en tout cas, nice, ça m'a donné une super idée aujourd'hui. Ok, on rentre chez soi, on a gagné de la notoriété. Techniquement, on a gagné la troisième étoile. On va voir ça de suite. Nourriture excellente lance des points négatifs d'une partie de la carrière. Ah ouais? Ah bah merde! Challenge prison by Kinzel. Bah ouais! Allez, on dépose brevet sur cette idée. On commencera peut-être ce soir. Tiens, bah du coup, ça me motive à le faire ce soir. Parce que j'ai trop envie de créer une prison, je sais pas pourquoi. Alors, on va aller au pipi room. On va ranger la nourriture. On va prendre des restes. Et on va aller se coucher. On a fait une bonne journée. On a gagné beaucoup d'argent. On a 5000 simplouses. Et c'est cool. La vie est belle. J'ai volé des patates. Alors, petit chat. C'est quoi le but qui peut m'expliquer? Mais en fait, il faut qu'on rende Ariana superstar. Alors, est-ce que d'ailleurs elle a monté sa notoriété? Bah non, même pas. Oh non, je suis trop triste. Elle a pas la troisième étoile. J'ai un scoop, il y a une fête géniale. Ouais, non, elle est crevée. Ariana, elle est HS. On va retourner voir. C'est. Voilà. Promue au poste star de sitcom. On va aller regarder un petit peu. Anna a été promue star de sitcom. De nouvelles auditions sont disponibles. Ça fait plaisir. Bon, on va pas reprendre une nouvelle audition. La prochaine audition, ce sera pour le prochain live d'Ariana Grande. Parce que là, on arrive à 1 heure de live déjà.
Donc on va devoir s'arrêter bientôt, mais vous inquiétez pas, on refera du Sims ce soir pour créer la prison et Nicki Minaj, et si on a le temps peut-être d'autres choses aussi. Et merci Momo d'ACNL et MSP, bienvenue, merci beaucoup. Voilà, non mais t'inquiète, Nicki Minaj, on la créera aussi. Coucou Jordan, fais des stories Instagram au pire. Ouais, faut que je fasse des stories. On va faire ajouter une story Instagram avant d'aller se coucher, tiens. Ce vous a désigné comme la prochaine grande révélation malgré votre taille relativement insignifiante et satisfait de sa décision de vous engager. Nous croyons quand même s'il se trompe sur votre masse relative, cela signifie qu'il est satisfait de votre performance d'actrice. Votre progression entre dans nos paramètres acceptables. Veuillez apprécier ces compliments. Alors franchement, il me faut rigoler parce qu'en fait Ariana elle est petite. Je crois qu'elle fait limite ma taille en vrai, tu vois. Elle est vraiment très petite dans la vraie vie. Et là, ils disent, malgré votre taille relativement insignifiante, en gros, qu'elle est petite au niveau de la taille. Oh, c'est trop rigolo. Genre, ils savent que c'est Ariana, le jeu. Tu pourras faire ses ex. Oui, on fera des ex. On fera les ex d'Ariana, ouais. Peut-être même qu'on leur fera vivre une petite amour avant qu'ils deviennent ex. Et on passera au prochain, on lui fera ses ex dans l'ordre. J'espère qu'on en a pas beaucoup non plus. Elle a fait 1m53, ouais. C'est pour ça que je dis, ça me fait rire parce qu'elle est petite en vrai. Et voilà. Allez, on l'envoie quand même au dodo. Tant pis pour la troisième étoile. Ce sera au prochain live. Ce sera malheureusement au prochain live. Mais c'est pas grave. Dans le pop-prison, il y aura des voleurs de légumes. Coucou Luna. Quand une nouvelle vidéo Gacha Live? Ah bah mercredi après-midi, tous les mercredis après-midi. Tu as des portes de prison avec le pack au travail aussi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Tu as raison, hein. Je regarderai lequel des deux est mieux. Je fais 1m59 à 10 ans. T'es plus grande qu'Ariana. Bah, les plus connus, c'est Sin, Pete, Malcolm, qui est mort, et Ricky, j'y crois pas. Ah oui, c'est vrai, j'avais entendu une histoire d'accident de voiture, je crois, non? Ou je sais plus quoi. Et Ricky, je crois, pas sûr. Faudra que je regarde, je vérifierai. Mais fais-toi aussi du miroir, c'est pire que la nourriture. Genre faire du truc du genre, pas s'entraîner à jouer, à peut-être se refaire une beauté, ce genre de choses. Bon, en général, je n'utilise pas trop le miroir, donc ça devrait aller. Coucou Amel, coucou Inès. Bon bah écoutez, Malcolm est mort d'une overdose. Ah d'accord, non parce que le truc de la voiture, c'est à un moment il y avait une rumeur comme quoi Ariana aurait fait un accident de voiture et serait morte. On me l'avait dit en plus, c'était en live, j'étais là en mode what? Mais qu'est-ce que vous racontez les gars? Et effectivement, il y avait eu un post à la même date le jour où on me l'avait dit en live, mais sauf que c'était un fake. Donc ouais, c'est son accident d'une overdose. Pas bien la drogue les gens, vous voyez, faut pas prendre de drogue. Coucou Kedidja. Comment s'appelle celle que tu as créée en même temps que Ariana? C'est Harley Lilil. On l'a appelée Harlil. C'est Harley Lilil. Oui, le live MSP carte cadeau, effectivement. Bon bah écoutez, on va retourner. Est-ce qu'on retourne maintenant ou... Je vais peut-être d'abord faire une pause miam. Parce qu'il va être 20h. Je vais faire une petite pause miam. Je vais me faire à manger. Je vais manger avec le frérot et tout. Parce qu'ils sont à la maison. Je sais pas s'il y a encore des invités. Je vais voir un petit peu. Je vais faire à manger. Je vais manger. Et puis du coup, tout à l'heure, on se redonne rendez-vous sur la chaîne Quinzel tout court. Voilà, la chaîne entre guillemets principale. Sur laquelle on va faire gagner la petite carte cadeau. Et puis éventuellement quelques petites drips. Et puis après, on tournera en création sur les Sims 4 sur cette chaîne-ci là en fait. Voilà, bonne pause, bah merci et également bon appétit à toutes les personnes qui n'ont pas encore mangé. Voilà, bon appétit à vous, bonne soirée à ceux que, enfin à ceux qui ne reviennent pas tout à l'heure, je vous souhaite déjà une bonne soirée et certainement à demain, et pour les autres bah je vous dis à tout à l'heure. Bah, au pire j'essaierai de vous prévenir sur la story Instagram quand je reprends le live, ok les gens, hein, on est d'accord, on se donne rendez-vous tout à l'heure. Allez, merci d'avoir été là, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à tout à l'heure, bien sûr, le live sera rediffusé. Voilà, à toutes.